Vous êtes-vous déjà réveillé entre 3 et 5 heures du matin et vous êtes-vous demandé s'il n'y avait pas plus qu'un simple trouble du sommeil? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous penchons sur la signification mystique de ces réveils précoces, telle qu'elle est mise en lumière par le travail perspicace de Madame Cannon. Ses recherches approfondies sur les états modifiés de conscience, la thérapie de régression et le subconscient nous éclaire sur les raisons pour lesquelles ces réveils matinaux peuvent avoir plus qu'une simple explication. Rejoignez-nous pour un voyage captivant à la découverte des implications spirituelles des réveils matinaux et de ce qu'ils pourraient signifier pour nos chemins spirituels personnels. Raison 1. Le voile entre les mondes s'amincit. Dans notre voyage pour comprendre la signification spirituelle du réveil, entre 3 et 5 heures du matin, nous rencontrons un concept qui résonne profondément avec les enseignements de Dolores Cannon, l'amincissement du voile entre le monde spirituel et le monde physique. Ce phénomène, souvent appelé l'heure de la sorcellerie, en particulier vers 3 heures du matin, signifie un moment unique où les frontières entre notre réalité physique et le monde spirituel deviennent de plus en plus perméables. Enracinée dans diverses croyances culturelles et spirituelles, cette période est considérée comme propice à une activité et à une conscience spirituelle accrue, ce qui correspond étroitement aux idées de Madame Cannon sur les états de conscience altérés. Cannon, dans son exploration de la métaphysique, a souvent parlé de ces moments comme d'occasion de profond éveil spirituel. Cet éveil se caractérise par une intensification de la conscience et une montée en puissance des intuitions, reflétant une connexion plus profonde avec les aspects invisibles de la réalité. C'est au cours de ces premières heures que notre conscience est la plus réceptive aux messages et aux conseils émanant de plans d'existence plus élevés. Les interactions avec le monde spirituel pendant cette période sont considérées comme plus puissantes et plus directes. Cela peut se manifester par une présence plus tangible d'anges gardiens, par la réception de messages profonds en rêve ou par des rencontres spirituelles inexpliquées. Les travaux de Madame Cannon, qui s'intéressent au rôle des guides spirituels et des anges, suggèrent que le fait de se réveiller à cette heure pourrait être une communication subtile de la part de ces entités. Elles pourraient nous offrir des conseils, un soutien ou même des avertissements cruciaux pour notre cheminement spirituel. Répondre à ces réveils à 3 heures du matin est un aspect essentiel de la pratique spirituelle, comme le soulignent les enseignements de Cannon. Elle prône l'importance de la méditation, de l'écriture des pensées ou des rêves et de l'ouverture aux messages spirituels transmis pendant ces périodes. Réfléchir aux thèmes ou aux sentiments récurrents qui émergent pendant ces moments d'éveil, comme le suggérait Cannon, est une étape vers une connexion spirituelle plus profonde et une meilleure compréhension de soi au sein de la tapisserie plus vaste de l'univers. Raison 2. Quelqu'un vous appelle. Dans le calme des premières heures du matin, plus précisément entre 3 et 5 heures, un phénomène spirituel unique peut se produire. Pendant cette période, on pense que notre sensibilité aux énergies des autres est considérablement amplifiée. Cette réceptivité accrue est favorisée par la tranquillité de notre environnement et le calme de notre esprit, créant un état idéal pour percevoir et répondre à ces énergies subtiles. Cela est particulièrement évident lorsque quelqu'un pense intensément à nous, qu'il nous manque et ait besoin de notre aide ou qu'il nous envoie des pensées chargées d'émotions. Le travail de Cannon approfondit le concept selon lequel les pensées et les émotions vont au-delà des expériences internes. Ce sont de puissantes formes d'énergie capables de se déplacer sur les plans spirituels. Cette énergie a le pouvoir de franchir de grandes distances et de relier les gens d'une manière qui dépasse les moyens de communication physique conventionnels. Se réveiller à ces heures matinales n'est peut-être pas le fruit du hasard. Il pourrait très bien s'agir d'un appel énergétique de quelqu'un qui est connecté à nous à un niveau plus profond. Pour se connecter véritablement à ces appels énergétiques subtils, Cannon encourageait une confiance profonde dans l'intuition.
Ce sens intuitif peut être aiguisé en réfléchissant à des interactions récentes ou à des relations importantes dans notre vie. Si vous vous réveillez pendant 16 heures, pensez aux personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Y a-t-il quelqu'un qui pense à vous, qui a besoin de votre énergie ou qui recherche votre aide? Le fait d'être attentif à ces liens peut les renforcer, offrant clarté et réconfort aux deux parties concernées. Madame Cannon a également conseillé de prêter une attention particulière à nos sentiments et à nos intuitions au cours de ces premières heures. Si l'image ou la pensée d'une personne spécifique nous vient spontanément à l'esprit, il pourrait s'agir de bien plus qu'une simple coïncidence. Il pourrait s'agir d'un signal énergétique, d'une forme subtile mais profonde de communication entre son âme et la vôtre, jetant un pont entre les domaines physiques et spirituels dans un moment de profonde connexion. Signe 3. Canaliser les idées pour les manifester. Dans la sérénité des premières heures du matin, en particulier entre 3 et 5 heures, un processus remarquable est censé se dérouler. Pendant cette période de calme, l'univers ou une conscience supérieure saisit l'occasion de canaliser des idées créatives et novatrices dans l'esprit des individus. Selon les recherches approfondies de Cannon sur le subconscient, ces premières heures sont cruciales. Lorsque l'esprit conscient ralentit et se repose, le subconscient devient plus ouvert et réceptif, créant ainsi un canal parfait pour l'inspiration. Cet état fait souvent naître des idées liées à des projets personnels, à des changements importants dans la vie ou à des projets créatifs. Madame Cannon accorde une grande importance à la nature de ces idées qui semblent émerger spontanément. Elle pensait qu'il ne s'agissait pas de simples pensées aléatoires, mais qu'elles étaient profondément liées à notre objectif supérieur ou à notre chemin spirituel. Il est essentiel de reconnaître et de préserver ces idées. Cannon a encouragé à faire confiance à notre système de guidance intérieure, une pratique qui implique de reconnaître et d'apprécier les intuitions ou les solutions soudaines qui nous viennent à l'esprit pendant ces premières heures. Tenir un journal à portée de main pour enregistrer ces moments de clarté est un moyen efficace de saisir ces idées fugaces mais significatives. En consignant ces idées et en y réfléchissant, nous commençons à les considérer non pas comme de simples pensées, mais comme des opportunités de développement personnel substantiel et de manifestation. Cela correspond à la croyance de Cannon dans la capacité profonde du subconscient à façonner notre réalité. Cela suggère que ces moments de clarté matinale sont plus que des coïncidences. Il s'agit d'expériences spirituelles profondément significatives, conçues pour nous guider sur le chemin de la vie et de la croissance spirituelle. Pendant les heures tranquilles du petit matin, entre 3 et 5 heures, nombreux sont ceux qui se retrouvent réveillés de manière inattendue. Ce phénomène, étudié en profondeur dans les enseignements de Dolores Cannon, revêt une signification spirituelle particulière. Dolores Cannon est connue pour ses travaux sur les états modifiés de notre monde physique et du monde spirituel. Selon ses connaissances, pendant ces heures, les distractions et le bruit de la vie quotidienne se dissipent, créant un environnement paisible propice à la connexion spirituelle et à l'introspection. Ce temps est plus qu'une période de repos. C'est une occasion de croissance spirituelle et d'illumination. Le voile entre notre monde conscient et la conscience universelle s'amincit, ce qui nous permet d'accéder à une sagesse et à des conseils plus profonds. C'est un moment où les complexités de notre vie quotidienne s'estompent, nous donnant la clarté et la tranquillité nécessaires pour réfléchir aux questions profondes et aux mystères de la vie. Madame Cannon a insisté sur l'importance d'utiliser ces premières heures pour l'introspection et la méditation. Cette période sereine devient un espace sacré pour se connecter à notre moi intérieur et au cosmos. C'est un cadre idéal pour les personnes qui cherchent des réponses à des questions personnelles profondes ou qui sont aux prises avec des dilemmes existentiels. Dans cet état de conscience accrue, il est possible d'obtenir des informations et des révélations qui échappent à l'agitation de la journée.
Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin peut donc être considéré comme un appel à l'éveil spirituel, une invitation à explorer les profondeurs de notre conscience et de l'univers. C'est le moment de réfléchir tranquillement, de se poser les grandes questions et de s'ouvrir aux réponses profondes qui peuvent émerger du silence et de l'immobilité du petit matin. Raison 5. La projection astrale. Notre exploration des implications spirituelles d'un réveil entre 3 et 5 heures du matin nous amène au phénomène fascinant de la projection astrale, un concept profondément imbriqué dans les enseignements de Dolores Cannon, une éminente spécialiste de l'astral, chercheur en phénomènes métaphysiques. Le travail considérable de Cannon, en particulier dans le domaine de la thérapie de régression et de l'exploration du subconscient, a souvent mis en lumière l'importance de la projection astrale en tant qu'expérience spirituelle cruciale. Les connaissances de Cannon suggèrent un lien significatif entre la période de 3 heures du matin et la projection astrale. Cette période est souvent considérée comme une phase active sur le plan spirituel, susceptible de permettre des expériences hors du corps telles que la projection astrale. Selon les observations de Cannon, la projection astrale est une exploration qui s'étend au-delà de notre réalité physique. Elle consiste à voyager dans différents plans d'existence, un voyage que de nombreuses personnes ont raconté lors de séances de régression. L'impact de la projection astrale sur le développement personnel et spirituel est considérable, comme l'affirme la recherche de Cannon. Les personnes qui ont vécu de telles expériences font souvent état d'intuitions et de connaissances extraordinaires auxquelles elles n'auraient pas pu accéder dans leur état de conscience ordinaire. Madame Cannon a fortement plaidé en faveur d'une exploration respectueuse et sûre de la projection astrale. Elle a souligné l'importance de documenter ses expériences, suggérant que la tenue d'un journal est essentielle pour réfléchir à ses voyages profonds et les comprendre. Cette pratique est en accord avec ses enseignements sur les profondeurs du subconscient et son rôle dans la transformation spirituelle. Grâce à la projection astrale, les individus peuvent explorer l'immensité de leur conscience et de l'univers, ce qui leur permet d'acquérir des connaissances inestimables et de contribuer à leur croissance et à leur compréhension spirituelle. Raison 6. Communication avec les anges gardiens. En explorant plus avant la signification spirituelle du réveil entre 3 et 5 heures du matin, nous découvrons une possibilité profondément réconfortante, la communication avec les anges gardiens. Un séance particulièrement intrigant est celui d'une personne qui se réveille à une heure précise, par exemple à 3h33, ce qui pourrait être plus qu'une simple communication avec les anges gardiens. Ce qui pourrait être plus qu'une simple coïncidence. Ce moment précis peut signifier que votre ange gardien tente d'entrer en contact avec vous. Selon de nombreuses croyances spirituelles, les anges gardiens sont des guides et des protecteurs célestes assignés à chaque individu. Leur rôle est souvent de nous guider tout au long de notre vie, en nous apportant soutien et sagesse. C'est comme s'il nous tendait la main pendant nos moments les plus vulnérables et les plus calmes pour nous offrir des conseils ou des réponses. Ce phénomène pourrait être particulièrement pertinent pour les personnes qui ont prié, médité ou manifesté des désirs ou des objectifs spécifiques. Le fait de se réveiller à cette heure pourrait être la façon dont votre ange gardien répond à vos demandes spirituelles. Cela peut être considéré comme une affirmation que vos prières et manifestations sont entendues et que les réponses sont offertes sous une forme spirituelle. L'expérience d'un ange gardien qui vous tend la main pendant ces premières heures peut être incroyablement rassurante et édifiante. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage et que des forces spirituelles supérieures veillent toujours sur nous, prêtes à nous soutenir et à nous guider. Ces rencontres, qu'elles prennent la forme de sentiments, de pensées ou même de visions, peuvent apporter un profond réconfort et une grande clarté, en particulier dans les périodes d'incertitude ou lorsque nous cherchons des réponses aux grandes questions de la vie. C'est une belle réalisation que dans nos moments de vulnérabilité, nous avons notre propre ange qui vient à nous,
nous aidant à comprendre et à naviguer dans les complexités de nos pensées et de nos expériences. Raison 7. Vous avez besoin de plus d'autocompassion. En approfondissant les raisons spirituelles du réveil entre 3 et 5 heures du matin, nous rencontrons un signe qui s'adresse directement à notre critique intérieure, le besoin d'autocompassion. Souvent, les personnes qui se réveillent pendant ces heures sont des individus qui ont tendance à être exceptionnellement durs envers eux-mêmes, tant en ce qui concerne leur travail que les attentes qu'ils se fixent pour leur vie personnelle. Ce réveil peut être un doux rappel de l'univers qu'il est temps de se calmer. C'est le moment de réfléchir et de réaliser que la recherche de la perfection dans tous les aspects de la vie n'est pas seulement irréaliste, mais aussi une source de stress et de frustration inutile. Cette prise de conscience est particulièrement poignante pour les personnes qui s'imposent à elles-mêmes, mais aussi aux autres, des normes incroyablement élevées. Lorsque ces attentes élevées ne sont pas satisfaites, il en résulte une déception et une frustration considérables. En outre, ce schéma d'attente élevé peut se répercuter sur les relations personnelles, se manifestant souvent par des problèmes de confiance. Il peut y avoir une peur sous-jacente de la trahison ou de la déception, ce qui fait qu'il est difficile de faire pleinement confiance aux autres. Ce réveil entre 3 et 5 heures du matin pourrait être une invitation à l'introspection et à la reconnaissance de ces peurs et appréhensions profondément ancrées. Les premières heures du matin, calmes et tranquilles, constituent le cadre idéal pour cette introspection. C'est l'occasion d'entamer un dialogue avec soi-même, de comprendre et de reconnaître que les imperfections font partie de l'être humain. C'est le moment de se pardonner et de cultiver une attitude plus compatissante et plus compréhensive à l'égard de soi-même et des autres. En reconnaissant et en abordant ces luttes internes pendant ces heures de réflexion, vous pouvez commencer à guérir et à favoriser des relations plus saines avec vous-même et ceux qui vous entourent. Il s'agit d'apprendre à faire confiance non seulement aux autres, mais aussi à soi-même, en comprenant que tout n'a pas à répondre aux normes souvent inatteignables de la perfection. Ce signe est un appel à embrasser la vulnérabilité et à y trouver force et croissance. Raison 8. Éveil spirituel à 3 heures du matin. Enfin, la raison la plus souvent citée pour se réveiller à 3 heures du matin est l'expérience d'un éveil spirituel, un concept profondément enraciné dans diverses traditions spirituelles. Ce moment est souvent considéré comme un point critique où les barrières entre les mondes spirituels et physiques sont les plus faibles. C'est un moment qui peut servir de passerelle vers une conscience et une connexion spirituelle accrue. La croyance veut qu'à 3 heures du matin, les distractions du monde spirituel et du monde physique soient éliminées, ce qui permet au monde spirituel de se concentrer plus clairement. Cette période peut être considérée comme une occasion pour l'univers ou votre ange gardien de communiquer plus directement avec vous. Il se peut que quelque chose du monde spirituel cherche à attirer votre attention, qu'il s'agisse d'un message, d'une révélation ou d'un appel à l'action. Pour beaucoup, se réveiller à cette heure précise est le signe que leur ange gardien essaie de les alerter sur une nouvelle importante ou de les guider sur une question urgente. Cette communication peut se manifester sous différentes formes. Il peut s'agir d'un sentiment intuitif, d'une intuition soudaine ou même d'un rêve très vivant qui semble porter une signification plus profonde. Un éveil spirituel à cette heure peut également être le signe d'une période de réflexion et de croissance personnelle. Il vous invite à explorer plus profondément votre chemin spirituel et à considérer les questions plus larges de votre existence. Ce moment d'éveil au petit matin peut être une invitation à se lancer dans un voyage de découverte de soi et d'exploration spirituelle. Au terme de notre exploration des raisons spirituelles de se réveiller entre 3 et 5 heures du matin, il est clair que les raisons spirituelles de se réveiller entre 3 et 5 heures du matin ne sont pas les mêmes.
Qu'il s'agisse du potentiel d'introspection et de réponse aux questions profondes de la vie, de la possibilité de recevoir des appels énergétiques d'êtres chers ou de faire l'expérience d'une communication directe avec nos anges gardiens, chaque raison offre un aperçu unique de notre voyage spirituel. Ainsi, la prochaine fois que vous vous réveillerez pendant ces heures mystiques, réfléchissez à ce que l'univers pourrait essayer de vous communiquer. Ces moments ne sont pas simplement des perturbations aléatoires de votre sommeil, ils pourraient être des occasions sacrées de croissance spirituelle et d'illumination. Accueillez-les avec un cœur et un esprit ouverts et laissez-vous guider par la profonde sagesse qu'ils peuvent vous apporter dans votre cheminement spirituel.